Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve depuis je sais pas combien de jours, je vous ai pas filmé parce que je suis complètement à côté de mes pompes. Je vais pas répéter la chanson 500 fois. Alors du coup, aujourd'hui, je suis, comment dirais-je, j'ai porté mon corps, ouais, je l'ai porté comme ça, et j'ai été récupérer des courses à Auchan Drive. Plus j'ai fait un ou deux magasins très rapidement, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et on va commencer tout de suite par le de je sais plus parler, le retour de course. Tu m'as dit quoi? Bon, le gelé, on va commencer par le surgelé. Ouais, le surgelé, comme ça tu vas me mettre ça au, comment dirais-je, au congé. Non, ça c'est frigo ça. D'accord, ok, super. Donc j'ai pris des pizzas comme ça, j'en ai pris quatre. J'aime bien ces pizzas, elles sont trop bonnes, les pizzas aux légumes. Il y a quoi dedans? Poivron, tomate cerise, piment doux, oignon rouge. Après, j'ai pris, bon, je vous montre pas les doublons, hein. Hop, j'ai pris ça. C'est des steaks halal comme ça, hachés, voilà. J'ai pris comme ça, j'en ai pris deux paquets. C'était combien d'ailleurs là? Je me rends compte que c'est pas ceux d'habitude. C'est combien? 2,5. Ok, il y a de quoi manger de la frite, j'ai envie de dire. Après, c'est un bordel devant moi, je vous dis pas. Là, j'ai pris ceux-là, donc justement les McCain aussi comme ça, mais allumettes. Doublons. On les montre pas, surtout les oignons pour faire les cocottes. Hein. Là, après, des autres oignons qui aiment ça bio, parce que quand il n'y en a pas, et ben, on prend d'autres. Après, hop, hop. Là, c'est tombé, il y a de la joie. Il y a de la joie. Faut bien que je vous change des idées là. Ces derniers temps, c'était pas du tout ça. Ça fait quelques temps, plus que je vous dis. Il faut vraiment que je récupère ma force là, parce que là, je m'enquiquine beaucoup là. J'ai pris ça, j'aime bien moi ça. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les poêlés. Et là, j'ai pris moi la champrette. La champrette, bien sûr, la champêtre. Haricots verts, brocoli, oignons et poivrons. C'est délicieux avec du riz, etc. Franchement, c'est super bon. Donc ça, c'est un doublon. Après, on passe du coq à l'âne. J'ai pris comme ça du succulent palais. Des Oreos. Voilà les boîtes qu'elles ont pris, mes filles. Oui. D'ailleurs, il y a quelques jours, elles nous ont fait un gâteau Oreo, du moins ma grande. Voilà, exact, qui est au collège. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris ça et ma petite. On n'a pas encore mangé là. Et elle a voulu m'en piquer, ma Inès, ma troisième poupette qui va avoir 6 ans en janvier. N'est-ce pas, poupette? Oui, maman. Tu as voulu en prendre à maman? Oui. Tu pensais que j'allais pas te voir? Si. Eh ben, je t'ai vue. Elle est venue et tout sur le plan de travail, genre en skirt et tout. Elle prend ça et elle se barque. J'ai kiffé, mais on l'a dit, oh, viens là tout de suite, chérie, là, parce que. Là, parce qu'on n'a pas encore mangé, c'est pour ça. Donc, j'en ai pris deux, comme ça, moi aussi, je t'aime, mon amour. Ça. Des œufs comme ça, j'en ai pris un grand et un de 6. Un de 18 comme ça, il va en plein air. Ouais, c'est ça. Après, ouais, il y a bobo à la maison. Ouais. Il y a bobo, il y a antibiotiques et antibiotiques. Dont moi aussi, je prends de l'augmenter en ce moment. Donc, je suis un peu dans le... Ouh là, ça fait même mal à l'estomac et tout. C'est la galère, je vous dis pas. Donc, voilà, j'en ai pris. Donc, j'ai un de 18, je vous disais. Et un, bien, tout à fait. Et un de 6, donc, de paquets de Lisette. J'ai pris ça parce que mes enfants sont entre guillemets des cuistots. J'ai envie de dire ça comme ça. Et ça me fait trop du bien. Ça me fait vraiment du bien de filmer. Pourtant, je suis pas au top de ma forme. Mais, alhamdoulilah. Là, c'est un retour de course, mais en même temps, blabla. Et encore, là, je vous dis à peine le quart de ce que j'aime. Alhamdoulilah, encore une fois. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pour ça que voilà, c'est pas trop ça. Parfois, pourtant, moi, je rigole tout le temps et tout, comme là, hein, je rigole et tout. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des moments, je comprends pas. J'ai des moments où quasi je vais tomber. La dernière fois, je me suis sentie mal au magasin. Tu sors et tout, t'es bien. Et d'un coup, hop là, tu comprends rien, quoi. C'est. T'as envie d'aller te cacher, hein. Pourtant, il n'y a pas de honte, hein. On se sent bien, on se sent bien, on se sent pas bien, on se sent pas bien. C'est comme ça, c'est la santé, ça prévient pas. Le petit racontage de life, les amis, le petit racontage de life. Donc voilà. Je disais aussi que j'avais pas pris de chocolat. J'avais pris que cela, là, les Lindt. Il y a des jeux de différence. Il y a un jeu des points à relier ici, là, derrière. C'est mignon, ça, pour les gosses. Et après, aide le petit ours Lindt à retrouver ses cadeaux ici, là, en bas aussi.
C'est plutôt sympa. Hop, next, j'ai pris des oignons. Ah bah oui, ça sert, les oignons. C'est bon, on a bien regardé des recettes et on les fait, en fait. Parce que des fois, hein, c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'on cuisine en tant que femme. Voilà, on sait tous à peu près plus ou moins se débrouiller. Et c'est vrai que moi, alhamdoulilah, même si je sais faire quand même à manger, entre guillemets, alhamdoulilah, même si c'est dernier temps, c'est pas très très facile de trouver le punch, mais alhamdoulilah. Et ben du coup, c'est vrai que pour deux fois, on se dit, oh là là, j'ai envie de changer. Ben, je regarde les recettes et voilà quoi. Donc du coup, ben, les oignons, etc., ça se sert. J'ai aussi des pommes de terre. Voilà les amis, hein, j'ai pris ça. Alors ça, pourquoi je l'ai pris? J'ai pas acheté de glace. Donc là, je suis en train de réagir. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi. Parce que je voulais acheter des fondants de chocolat, mais on n'en avait plus. Ah, c'est pour le fondant que je voulais en acheter? Exact. Tout à fait, moi je... La crème, tu es toute seule, Skena. Hein. Elle est toute seule, elle dit, voilà. Les amis, surtout, comment dirais-je? Ça aussi, je voulais vous en parler. Veuillez m'excuser quand parfois... La dernière fois, j'ai dû rattraper il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai dû rattraper en fait des commentaires. C'est-à-dire que, heureusement, alhamdoulilah, j'ai regardé déjà, excusez-moi, quand j'ai du retard. Et aussi, j'ai vu que, hop là, il y avait des commentaires qui me sont passés bah, à travers, en fait, hein, qui sont passés comme ça, là, hop là, mais je ne les ai pas vus. Donc, j'ai répondu 400 ans plus tard, parfois, pour certaines personnes. Et bah, j'étais dégoûtée, quoi. Parce qu'en plus, bah, les commentaires que j'ai sont tellement, comment dirais-je, en fait, bienveillants, quoi. Et si gentils que du coup, ouais, j'étais deg. J'ai pas compris, ils sont passés à la trappe comme ça. J'ai pas saisi. Next. Donc, moi, je vous l'ai dit, si vous voyez un jour, je vous réponds pas ou quoi que ce soit, c'est pas que c'est moi, c'est pas volontaire. C'est simplement que ils me sont passés comme ça. J'ai pris ça. Mes enfants aiment ça. Alors, histoire de me donner des vitamines, tiens. Je vais en manger 600 ce soir. C'est moi qui vais manger tout ça. Comme ça, après, je vais atterrir au lait-corps. N'importe quoi, moi. Des granolas, comme ça. Des pommes, parce que c'est super bon, le gâteau aux pommes. Moi, je kiffe le gâteau aux pommes. Donc, des pommes. Après, du coq à l'âne, encore une fois, j'ai pas saisi. Donc, on a pris... Mina, c'est toi qui m'as pris celui-là? Oui. C'est toi qui m'as pris l'émir? Il n'y en avait pas? Ok, donc ma fille, c'est elle qui m'a pris l'émir parce que j'avais du mal. Je me suis sentie faible aussi au moment où je faisais les courses sur le drive. Et j'ai dû demander à ma fille de m'aider à, comment dirais-je, eh ben, faire les courses sur Internet. Et oui. Donc hop là, l'émir. J'ai pris ça, j'aime trop. Carolinque. C'est du dégraissant. Et j'aime bien cette marque. Hop, dès comme ça. Super bien avec les enfants, quand il y a des taches sur le mur, etc. Les éponges magiques, pareil, hein. J'ai pris à chaque fois par plusieurs, pareil, ça aussi par plusieurs. Des 100 litres comme ça, le sac poubelle, mais à lien coulissant. J'en ai pris, voilà, là, tout ce que vous voyez, j'ai pris là les exemplaires. Ouais. Avec les gosses, etc. Pardon, ça me fait mal, oulalalalala, après faut qu'on mange. Ça, les éponges, hein, j'ai pris exprès là pour la douche. On repasse du coq à l'âne. Ça, c'est quoi? Banane, orange et fraise. 900 ml. Il dit 63% d'ingrédients français. Ouais, bah, peu importe, hein, que ça soit même dans d'autres pays. J'ai envie de dire, tant que c'est bon, moi, je vois pas le... Regardez, c'est Danao. Je connais pas. En fait, moi, j'ai jamais été attirée par ce genre de boisson. Si. Bah, si, parce qu'il y a multivitaminé. Mais celui-là, je le vois différemment. Donc là, j'ai pris un Danao, j'ai dit, on va le goûter. Donc, je vais voir, ouais, parce que Danao, moi, c'est pas quelque chose que j'ai pris. Je me souviens pas l'avoir pris, pour être franche. Donc, c'est sans sucre ajouté, c'est bien. Et hop, ça donne des vitamines. Mes poupettes là-bas qui sont en train de regarder. La Tilly. C'est trop mignon. Oh, ça, j'en ai pris beaucoup. Tu vas pas me passer tous les exemplaires. Alors, en gros, je... D'accord, tu peux garder tout parce que c'est pas quand même. Parce que ça va derrière moi. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Ça. C'est, hop là, ça tombe par terre. Allez, on y va. Donc, Dolce Gusto, je kiffe. Hein, Light Machato Caramel. Voilà, j'aime trop celui-ci. Je kiffe celui-ci aussi de chez Starbucks. Ouais, ils sont très très bons. Caramel Machato, pareil.
Voilà, c'est juste Dolce Gusto ou Starbucks, voilà, tout simplement. Bon, bah, du lait, hein, allez, hop, on y va. Du lait, hein, ça, on connaît, tout le monde connaît. Je les prends en petit parce que les grandes bouteilles, elles ont tendance à... J'aime pas. J'ai peur, comme nous, on n'est pas des utilisateurs... On sait ce que je dis ou pas, je sais plus ce que je dis. On consomme pas vraiment beaucoup de lait. Je crois que je dis des bêtises, là, au niveau français, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, bah, j'ai pris en petit. Au moins, je sais que quand on utilise une bouteille, ça va pas... partir à la poubelle. Ouais, j'ai vu. Il y a des choses, c'est toi, ma fille, il y a des choses, c'est moi qui l'ai pris. Ça, par exemple, hop, c'est ma fille qui l'a pris parce qu'elle va faire des gâteaux, comme je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai pris ça, moi, par contre. Maison Colibri, j'ai trop voulu les goûter. Pourtant, j'aime pas le chocolat noir. Je vous explique, je n'aime pas le chocolat noir. Ça me fait trop mal à la tête. C'est chocolat ? Oui, mais j'ai trop voulu goûter. Ça me donne trop envie dans le sens de me dire, tiens, j'ai goûté. J'aime pas, moi je suis pas quelqu'un qui mange, j'ai pas goûté quelque chose et je vais dire, oh c'est pas bon. Bon si, des fois je peux le faire, je vais pas mentir. Des fois je peux me dire, oh non, ça donne pas envie, par exemple. Mais là je me suis dit, non, il faut que tu goûtes, histoire de dire vraiment t'en veux pas, quoi. Ah, j'en ai pris deux en plus, hein. j'ai osé, ah ouais, là j'ai osé quand même. La Madeleine Coque chocolat noir. Donc on verra. J'aurais préféré le chocolat au lait, mais j'ai pas fait attention, je n'en avais pas, je crois. Bref, j'en ai pris deux, mais j'aurais dû en prendre un. Parce que si ça plaît pas, bon après je donnerai à ma famille ou autre. Ici c'est, ah oui, ici c'est la même chose, chocolat noir mais noix de coco. Donc je me suis dit, allez hop, c'est quoi la marque ça? Maison Colibri. Donc vous connaissez je pense. Moi perso ça je connais pas, hein. Donc moi je vais goûter. J'aime bien faire ça, je vais goûter. Après, Kinder Bueno, eh oui. Après des Kinder comme ça, ouh là 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 là, j'ai le vertige. Kinder Mini Noisette, c'est quoi ça? Là, il y avait des promos là-dessus d'ailleurs, hein. Moins 50% sur le deuxième. Ouais, normalement, il y avait des promos dessus et c'est 182 grammes. Contient minimum 33 pièces, minimum. Bon, ben, elle a pris ça, sucre vanillé, hein, de Madagascar, elle m'a tué avec son sucre vanillé. Elle me dit, madame, c'est maman, c'est madame, n'importe quoi, on parlait de professeur tout à l'heure. Elle m'a dit, maman, c'est bon, sucre vanillé de Madagascar, parce que c'est de Madagascar. Je sais quoi, le rapport, c'est du sucre vanillé, donc oui, c'est bon, il n'y a pas de... Elle m'a tué. Elle a pris deux barres comme ça, ma fille. C'est vrai que c'est bon, ça, le matin. Peu importe comment on le mange, hein, chez bonne maman, comme ça. Mais elle en a pris deux. Donc, enfin, attention, Lina, quand tu l'ouvres, ça, après, faut pas que ça sèche, hein. Donc, faut faire attention. Je suis crevée. Dites-moi ce que vous faites à manger. Donnez-moi des idées de bouffe assez rapide, tiens. C'est cool ça, quand on a des idées recettes assez rapides, ça fait toujours zizir. J'allais vous dire quelque chose, oui, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir aussi de liker, partager, commenter. Ouais, c'est quelque chose qui me... Bah, c'est toujours un kiff hein, pour moi. Et surtout la cloche de notification, comme je vous dis tout le temps, parce que sans ça, on ne peut pas se revoir. Alors certes, en ce moment, j'ai des petits coups de mou, mais j'ai à venir, Inch'Allah. Ok les amis. Moi, je suis pas quelqu'un qui cache, je sais pas être fausse, j'aime pas, moi, je suis quelqu'un, j'appelle un chat, je vais bien, je vais pas bien, et je me présente à vous dans tous mes états, voilà, en ce moment, c'est un coup de mou, Inch'Allah, ça vient revenir, faut être patient, c'est comme ça, mais c'est, le temps aussi n'arrange pas, c'est vrai aussi, vous m'avez déjà dit ça, le temps aussi, c'est pas facile, des lingettes comme ça, des lingettes bien sûr, vous imaginez, on s'est su avec ça, bah, dis donc, bref, en tout cas, c'est les grattoirs, hop là, next, le sel. Quel sel vous prenez? Moi, je trouve que le sel... Je sais plus, c'est plus le sel d'avant. Hein. Moi, je trouve que le sel de nous, quand on était jeunes, ça allait bien plus que là. Hein. J'ai, comment dirais-je, pris cela. Et moi, je bois pas de café. Hein. Ça, c'est pour mon mari. Pour aussi, j'ai... À la maison, j'ai une femme de ménage aussi qui m'aide. Donc, avec qui je m'entends très, très, très bien. Et je ne dirai pas le nom, par respect. De confidentialité, ouais. Alors ici, il y en a 7, il y en a combien? Ah, l'intensité, 17, il y a 16 capsules. Ouais, donc je le prends pour ma femme de ménage, mon mari, et puis mon maman, mon papa, ma famille, ou peu importe, quelqu'un qui vient, qui veut un café, eh ben il y en a. Mais de base, moi, j'achèterai même pas de café, j'en bois même pas. Donc, déjà que je suis speed, alors si je bois du café, à mon avis, j'ai sauté. Bon, quoi qu'en ce moment, je suis pas si speed que ça, mais... Ah oui, ma fille, elle a pris ça, j'ai pas compris son délire. Ça, c'était moi qui prenais ça avant, quand j'avais perdu après ma troisième princesse, après Inès. Donc là, j'ai eu ma quatrième Nesrine qui est bien gonflée, il faut que je reperde.
J'ai bien, bien, j'ai même trop pris, ça joue grave sur la santé. Et comment dirais-je, mais avant Nesrine, ma dernière poupette, j'avais, bon, donc Inès. Et quand j'ai perdu, je suis arrivée à un 38-40 en perdant, hein, donc voilà, j'étais bien. Je prenais ça, moi. Voilà, c'est stylo, on se fait plaisir, il y a un petit peu de... Mais alors, ma fille qui a pris ça, j'ai pas trop saisi pour être franche avec... Quand on prenait, voilà, j'en mangeais en cachette. J'en prenais, j'en mangeais en cachette, elle m'a dit. Je vous jure, elle m'a dit ça, elle m'a dit, j'en mange en cachette. Oula, ça me gratte. Il faut que j'aille chez le coiffeur, les amis, vous avez vu là? Oulala, là, là, là. Mais je crois que je vais... Si j'ai pas la force d'aller chez le coiffeur, je pense que je vais retourner dans du foncé. Et, je sais pas, je vais voir. Ouais, c'est vraiment, je vous raconte ma vie, là. Alors, donc elle s'est pris ça. Pas trop saisi son délire, mais elle s'est pris ça, je vous le dis. On a pris ça aussi, des Kinder Country. Ma fille, quand elle est pas bien comme là, j'ai ma princesse Nesrine qui est malade, Skena. C'est le temps, hein, c'est tout le monde pareil. Hein, on n'est pas les seuls, c'est vraiment tout le monde. On en a conscience, c'est vraiment le temps, quoi. Mais c'est dans le sens où quand un bébé, il est pas bien. Moi, je sais que la mienne, voilà, elle kiffe son lait. S'il y a un truc, elle va pas nous refuser, c'est son lait avec ça. Vanille saveur biscuit, c'est ça, saveur biscuit. Et c'est 12 mois et plus, donc ça permet qu'elle ait quelque chose au moins dans le ventre. Surtout que là, elle est sous antibiotiques assez fort. Donc, alhamdoulilah, je veux dire que tant mieux. Quand elle a ça dans le ventre, dans ma tête, je me sens bien. Parce qu'un enfant, vous-même, vous savez, quand il mange pas, on est stressé. Alors déjà que moi, c'est pas la pêche. Alors, si la mienne rajoute à maman, je ne mange pas, là, je vais plus que craquer, à mon avis. Mais parfois, ça fait du bien de craquer. Ouais, franchement, parfois, ça fait du bien de tout lâcher, de pleurer un bon coup. Ouais, franchement, ça fait du bien. Alors, pour les gâteaux de princesse la plus grande du collège, n'est-ce pas, ma fille? Hop, elle a pris de la farine, bien évidemment, parce que son sang ne peut pas faire de gâteau. D'ailleurs, tu fais un gâteau ce soir ou comment ça se passe? Un gâteau à l'Oréo? Ok. Là, on prend, là, on passe sur du Milka, par contre. C'est tout autre chose. C'est toi qui as pris ça, par contre. Ouais. Choco sensation. Levure chimique. Avec papa, on va tout manger. Elle a pris ça aussi. Pourquoi, d'ailleurs? Pour quand on fait au-dessus du... Nappage? Nappage? Pas du tout. C'est pourquoi ça a pris ça, toi? C'est des tablettes. Ah oui, mais tu peux faire aussi en nappage, tu sais, en... Ah, bref, ma tête, elle est partie, là, c'est pas grave. En tout cas, on a deux chops. Ah, très bien, très cher. Ouais. C'est toi qui as fait ça aussi, c'est Madeleine. Je les avais pris ça la dernière fois. C'est pas moi qui a pris ça. J'ai pas pris ça. À moins qu'ils étaient déjà dans mon panier, ou je sais pas ce qu'ils étaient. Eh, les amis, je me souviens pas avoir pris ça. Est-ce que là, j'ai pris Madeleine? Je dis, ah, oui, il est trop chaud. Comment t'as cliqué Madeleine? Je m'en souviens pas. Ah, c'est fou quand même. Bref, donc voilà. Ah, je vous parlais parce qu'en même temps que c'est un retour de course, moi je vous parle aussi. Hein, dès que j'ai envie de vous dire quelque chose, ça me fait du bien. Je vous parle tranquillou, etc. D'ailleurs, mon MP en message privé, mon MP bien sûr. Message privé pour les personnes qui veulent me joindre, c'est Kika-Diverse hein, sur Insta. Et j'allais vous dire quelque chose. Ouais, je dois aller chez le coiffeur. Mais si je suis. Parce que là, j'ai une sinusite. Ça me fait mal, là. Et deux fois, je vous parle, mais c'est comme si ma tête, elle tournait bizarrement. C'est assez désagréable. Oui, mon lapin, qu'est-ce qu'il y avait là-bas, mon cœur? Oui. Oh là là, merci, mon amour. Oh là là, regardez ce qu'elle m'a fait, ma fille. Comme c'est gentil, mon amour. Merci, tu m'as fait des petits cœurs. Oh, mon bébé. Je t'aime, mon cœur. Du coup, ouais, je sais pas si je vais aller, donc je pense que... Parce que le blond, il faut l'entretenir, hein, on va pas se mentir. Puis moi, je l'avais fait pour l'été. Et là, du coup, ben, je me dis que je vais peut-être repartir sur du foncé. Mais quelle couleur, je ne sais guère. Moi, je suis née blonde, hein, je vous explique, je suis née blonde, mais blonde. C'est beaucoup d'entretien, donc ouais, tranquille, on parle ensemble, vous voyez. Regardez comment je m'installe. Je suis en pyjama et tout, laisse tomber. J'ai envie d'aller faire un balnéo. Quoique, je suis toujours en pyjama quand je suis chez moi. Moi, je sais pas être chez moi habillée. Ah, ça, c'est un truc de fou. Vous avez l'habitude, vous me voyez toujours en pyjama. Des gaines, oupla. C'est vrai. Ouais. Des fois, la journée et tout, je me maquille. Mais comme je vous filme le soir, bah, vous me voyez pas. Eh ben oui. Bref. C'est pas le sujet, on s'en fiche. Ouais. Donc, je pense que je vais retourner sur du foncé parce que je vous disais, moi, je suis née blonde. Et puis après, on fonce au milieu des années, au fur et à mesure des années. Et bah après, ma couleur, elle est devenue comme ça. Et oui, donc je suis en train de me dire quelle couleur je vais faire.
parce que je pense pas que j'ai resté sur le blond là parce que c'est un entretien et que j'ai pas la force avec le temps là, je pourtant j'ai un rendez-vous mais je pense que je vais devoir l'annuler. Je pense, je vais voir. Bon bref. Alors et pourtant mon coiffeur il est au top. Ah au top. Je m'entends trop bien avec elle. Donc là, Oreo comme ça plusieurs mes enfants ils kiffent cela. C'est enrobé de chocolat blanc, c'est ça, il y en a 6 comme ça, c'est bien. Quand ils sont bon, il y en a plusieurs. Hop, on met next. Il y a quoi encore tu t'es lâché là, c'est quoi ce truc? Ah, bah ma fille, ça fait plaisir, il y a même les tablettes comme ça. Là, j'ai cru que c'était 3 tablettes solo. Pas 2. Non, mais c'est pas grave. Ça de toute façon, ça reste, hein, c'est pas un problème. Puis comme ça, quand on veut, il y en a. Hein. Donc, hop, tablette Oreo Milka. Et nous avons, après, on a fini. Donc, en fait, là, c'est ça. Pour ma princesse, pour faire dodo. Ah, là, c'est Elsa. Ça a changé. Donc, 4-7 ans, de 17 à 30 kilos. Je lui prends ça à ma princesse Inès parce qu'il peut arriver qu'il y ait des fuites la nuit. Oui. Deux fois oui, deux fois non. Donc, c'est bon. Moi, j'ai pas envie de les matelas. Je vous jure que j'en ai racheté comme s'il pleuvait. Hein. Donc, pourtant, on met une à l'aise, attention. Mais j'avais acheté une à l'aise qui n'était pas bonne. Ou alors, des fois, elle partait. Ou alors, il y a eu des incidents, quoi. Donc, du coup, j'ai dit, oh, non, je n'ai marre. Donc, elle a mis ça. Et puis, voilà, de toute façon, c'est fait pour. Hein. Et là, pour finir avec les courses, et après, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai achetées. Et après, Inch'Allah, on va manger parce que je crois que là, je vais faire un syncope. Je me sens assez faible. Alors, moulin de Valdon. Grenadine en vert, comme ça. J'aime bien. Ça change de celle Tesser, vous savez, la marque Tesser. Là, j'aime bien. Franchement, moi, j'aime bien. Tout ce qui est en vert, ça me plaît beaucoup, les jus en vert. Puis ça me rappelle aussi quand j'étais petite en Algérie. C'est un kiff. Les bouteilles en verre, le goût. C'était, je vous jure, là, je m'en souviens. Pourtant, j'étais petite, hein, mais je m'en souviens. J'étais avec mon papa. C'était le beau temps. Il y avait ma grand-mère, Rahma et tout. C'était génial. C'était bon. Le jus, il n'avait pas le goût d'aujourd'hui. Non, mais je vous jure, ça a changé. Ah oui, le monde a changé. Ta-da-da-da! Pylone! Mais juste avant d'aller chez Pylone, ou juste après, peu importe, on a été dans un magasin qui s'appelle Je ne sais guère. Tu te souviens du nom du magasin? Bref. C'est un magasin, tout est à 2 euros. Et c'est à Aéroville. Et on a pris ça. Du moins, ma poupette s'est pris ça, ou paprika, mais j'avoue que ça, c'est bon. Moi, j'aime bien les grosses comme ça. Alors, moi, je suis pas chips ni gâteau, ni les trucs. Bon, entre guillemets, bien sûr. Mais c'est vrai que si je sais, je suis pas en train, mais de base, je suis pas vraiment ça, quoi. Et moi, je suis très glace, par contre. Et là, j'aime bien la forme, la grosseur, etc. C'est au top. Il y a ceux-là. Après, il y a ceux-là au fromage. Donc, je vous ai dit, c'est un magasin, ils font tout à 2 euros. Hein, on se prend pas la tête. Hein. On savait déjà pour combien on en avait. Hein. J'ai pris ça parce que normalement, j'en ai un blanc. Mais je sais pas ce qu'elle m'a raconté. Il a fondu. Je sais pas comment elle a réussi à me faire fondre ça. Je te jure que je sais pas comment t'as fait ma fille, mais il va falloir que tu me dises parce que faire fondre cette chose-là, alors qu'il était blanc, je le trouvais plus beau que celui-là. Mais bon, tant pis, on n'est pas avec. Et puis, ça fait son job. Hein. Ça, c'est une idée de ma fille qui s'est dit, tiens, si j'avais envie de piquer un peu de la bouche, ça serait plutôt pas mal. Alors là, pour l'instant, je vais pas m'aventurer, surtout avec mes antibiotiques, parce que sinon, à mon avis, mon estomac, il va crier, j'ai pas envie de pleurer. Mais je l'aurais bien tenté, moi aussi. Ça s'appelle Pathos et c'est extra piquant, je crois, quelque chose comme ça, je pense. Hein. Et encore, faudrait qu'on goûte. Hein. T'as vu, on a vu des youtubeurs, ils ont goûté des pâtes méga, giga piquantes. Et ça, c'est quelque chose à tenter. Ah, elle s'est trouvée ça aussi. 2 euros, c'est un stylo Barbie. Il y a de tout là-dedans. Mais alors, comment ils sont... Ah oui, comme ça, regardez, hop, tu la mines comme ça. Tout mignon, comme ça, Barbie, 2 euros. Bah écoutez, j'ai vu ça. J'ai dit, tiens, alors moi, j'en mange pas, hein. Mais je me suis dit, tiens, s'ils veulent goûter... Même moi, je peux goûter, mais après, j'en mange pas. C'est goûter vraiment une petite goutte. Hein. Je suis très, très vite écœurée. Mmh. Très, très vite. J'ai les chiffres sur la triangle. C'est vrai, Dan, je vais goûter. Je suis sûre. Je goûte seulement parce que, comme je t'ai dit, comme je vous ai dit aussi, j'ai pas envie de pleurer. C'est trop. Ça me donne pas envie comme ça. C'est les chiffres qui tombent. Désolée du bruit, ça fait ASMR chelou, là, même. Moi, je suis pas mal. C'est pas mauvais, hein. Je suis pas fan. C'est pas mon trip. Franchement, c'est pas mon délire. Donc là, maintenant, on a fini avec le magasin tout à 2 euros. Là, on passe à Pylone. Alors, Pylone. Alors là,
C'est tout à fait mon délire. Alors, je vais vous dire ce que j'ai pris. J'en ai eu pour 91 balles, je crois. Donc, j'ai pris ça. C'est des mugs. Comment dirais-je? Des visages. Émotion. Sourire, etc. Voilà, émotion, merci. Et moi, j'ai pris joyeux. Eh ben oui. Je ne savais pas qu'il y avait ça. J'ai même pas tilté qu'il y avait ça, moi. J'espère que vous ne voyez pas le sac. Et il est là. Alors, j'espère que vous verrez, hein. Mais en gros, c'est mon petit mug joyeux. C'est sympa, j'aime bien. Il est simple et tout, mais c'est mignon et tout, ça change. J'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que... moi, je dis la vérité, hein. C'est super bien, etc. Mais niveau thune, ils se font zizir. Hein. J'aurais dû travailler à pilote, moi. J'ai pris ça, alors vous allez comprendre. Hein. Je vais vous le montrer tout de suite. J'ai rajouté un mug parce que je suis fan de leur mug. J'en ai plusieurs chez moi. Et là, j'ai trouvé la couleur enfin que je voulais depuis longtemps. Ils l'ont mise dans les rayons. Du moins, c'est revenu parce qu'il n'y en avait plus. C'était plus en stock. Donc, le mug, il est comme ça. Il est beau. Hein. Bref, en tout cas, moi, je kiffe. Et j'ai pris la cuillère qui va avec parce que s'il n'y a pas la cuillère, c'est pas marrant. Ça donne ça, hein, tout simplement. Mais j'aime bien. C'est joli. Ça va du hop là, comme ça, en cône un peu. C'est trop mignon. Hop, next. J'ai pris quoi d'autre? Ah oui, ça. J'en ai un pareil. Un bleu, je crois, ou je sais plus quelle couleur. Bon, bref. Avec les... Bah, du même... Hein, la même chose que ça. Un bleu marron. Mais comme ça. Et là, je l'ai pris en jaune cette fois-ci, histoire de... dégayer mes journées. Oui, oui. Quand j'ai pas le moral, quand j'ai envie de pleurer parce que j'en peux plus d'être à l'ouest. Et bah, du coup, hop. Ça fait toujours plaisir un peu de... Ouh, de couleur qui... Ah, le soleil. Ah ouais, c'est un kiff. Et il reste deux choses. J'ai pris ça sur un pilulier. Alors, ouais, je sais. Je vois ce que je vais devoir mettre dedans. Mais je vois ce que je vais devoir mettre dedans. Sans commentaire. Il est comme ça. Il y avait pastèque ou il y avait ça, genre. Et non, mais c'est cool. Ça, c'est cool comme pilulier. C'est bien. Et ma fille qui s'est pris ça, cette gourde. Alors, par contre, celle-ci, elle est bien parce qu'on en a aussi encore à la maison. D'ailleurs, elle est là. Ça, c'est Inès. Voilà. Et celle-ci, c'est ma grande. Et le truc, c'est que celle-ci ne se casse pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est fini pour pylône. Maintenant, on va passer à ce que j'ai pris Nature et Découverte. Et j'ai hâte de l'utiliser. Là, après, on va manger, Inch'Allah. Et quand j'aurai fini, je vais aller me décontracter parce que j'ai passé une nuit. Respire, Kika. Nul. Je suis franche avec vous. Moi, je vous dis la vérité. J'appelle un chat un chat. Elle était tellement nulle que je crois que c'est pour ça que j'ai pété un câble cet après-midi. J'étais pas bien cet après-midi. J'ai pété la durite. Et du coup, en fait, j'aime pas. J'aime pas quand je suis comme ça. Ça me ressemble pas. Je suis tout le temps pompée up. Je suis tout le temps... Et là, cette année, bah, c'est l'hiver. Le temps de... Non, cette année, j'arrive pas à cet hiver-là. Il faut que ça passe, Inch'Allah. Après, alhamdoulilah, on kiffe. Voilà, on se raccroche toujours à des choses de nos enfants. Voilà, des petites choses comme ça qui nous font zizir. Voilà, il y a notre mari, il y a notre famille et tout. Mais c'est pas facile parfois. Franchement, c'est pas facile. Parce que regarde, par exemple, je vais vous dire, regarde, regarde. Voilà, tu vois, tu regardes. En fait, cette nuit, j'ai, comment dirais-je, j'ai passé une nuit, je me suis endormie super tôt. On a mangé tôt. Donc, c'est-à-dire que moi, franchement, je crois que 19h30, j'ai dormi. À peu près. J'ai bien dit à peu près. Et le truc, c'est que je me suis réveillée après l'été. Ah là là, je sais plus. Soit une. 3h. Je crois 3h du matin. Ouais, c'est ça. Eh ben, je pétais la forme. Impossible de me rendormir. J'étais vénère. Ah, j'étais... En fait, j'étais contente, mais j'étais pas contente. Parce que j'étais contente, parce que d'un côté, je me sentais pas fatiguée. Mais d'un côté, là, je ressens la fatigue. Je suis épuisée, j'ai mes yeux qui me font mal. Qui me... Vous savez quand ça dit, va faire dodo, va faire dodo. C'est... Eh ben, souvent, ça m'arrive ça en ce moment. Donc, du coup, ben, je sais pas, je comprends pas. Je m'endors tôt et au final, peut-être c'était trop tôt, hein, je suis d'accord. Mais je retiens pas, c'est-à-dire que je suis fatiguée en ce moment. Le médecin, quand il est venu la dernière fois, je vous ai dit... quand il est venu prendre mon attention, etc., parce que je suis aux augmentants, etc., bon, bref, un next, hein, voilà. Mais le truc, c'est qu'en fait,
Il m'a pris ma tension, j'avais à peine 10. Je suis vraiment KO. Ciao, 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 ciao. Et le fait d'être comme ça, je suis énervée après moi. Parce que justement, ouais, c'est... ça ne me ressemble pas. Je vais récupérer ce que j'ai pris à Nature et Découverte. Donc, à tout de suite. Donc, il est là. Comme ça. Et en fait, à l'intérieur, j'ai pris ça à 60 balles. Donc, je regarde s'il n'est pas ouvert parce que quand on paye et si c'est ouvert, ça fait mal à la tête. Hein. Alors, ici, c'est un... J'ai hâte. En fait, je fais tout. Vu que je vous dis qu'en ce moment, c'est... Vous avez compris? À part faire on va vite arrêter la chose. Parce que mais moi, ça me gave. Pour vous dire, ça me gave. J'en ai pleuré. Hein. J'en ai pleuré parce que j'ai même dit à ma soeur, j'en ai marre d'être comme ça en pleurant. Ouais, parce que ça ne me ressemble pas. Donc, du coup, ça m'énerve en fait. Et quand ça m'énerve, bah, je lâche la pression. Donc, j'ai pris ça parce que je me suis dit, ça va me faire du bien. C'est un masque de relaxation connecté Smart Relaxation Mask. Donc, une heure de musique pour la relaxation. Donc, on met ça comme ça. Et il y a des chansons, vous savez, relaxantes comme dans les centres de massage, etc. Donc, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. J'y suis allée pour... Pas pour ça, mais j'ai pris ça. J'y suis allée pour ça. Ouf, là, c'est tombé. Donc, de base, j'avais été justement pour ça. Ça vaut 30€. Et c'est un, bah c'est une lampe en fait, quand on regarde bien, hein, de diffuseur de parfum lumineux. C'est trop trop bien, j'ai kiffé, franchement moi j'ai kiffé. Je vais vous la montrer, on met la lampe, vous savez ça, hop là, le ça, tout simplement, le main à l'intérieur. Et après ça fait de la lumière, et ici on met du parfum. Et après ça brille et tout, franchement c'est super joli, je trouve que ça va pas mal avec ma chambre. C'est fini. Non, ah si, j'ai pris ça peut-être. Et là, moi, je pense que c'est bon. C'est ça, justement. Là, le parfum que j'ai pris, moi, c'est Poétique Nature. Donc, hein, le nom au niveau du parfum, la marque, hein, je pense. Et là, c'est marqué senteur tiarée étincelant, extrait de parfum. Donc, en gros, ça amène sur le trou de la... Comment dirais-je, de la petite lampe, là, que je vous ai montré. Je vais appeler ça comme ça, au-dessus. Une petite cuillère à café d'eau. Et voilà. Et l'odeur, franchement, elle est sublime parce que je voulais pas quelque chose de fort. Ça m'intéresse même pas d'être tranquille si je veux lire ou quoi que ce soit et d'avoir quelque chose qui sent, qui me fait mal à la tête. Là, c'est léger, c'est pile ce qu'il faut. Je lui ai dit, madame, je veux le léger du léger. Il est terrible. Franchement, celui-là, il est terrible. Donc, je répète, c'est tiaré étincelant. Hop, à Nature et Découverte. Et juste après, je vous montre très rapidement, j'ai été à Furée du Nord, j'ai pris ça. C'est le livre, comment dirais-je, eh ben, Alice au Pays des Merveilles, voyons. Donc là, c'est juste marqué Lewis Carroll, Alice le Carrousel. Après, ici, c'est Benjamin Lacombe, Métamorphose. Donc ça donne ça, oui mon cœur. Et quand on ouvre, ici derrière, il y a écrit. Les deux Alice ne sont pas des livres pour enfants, mais plutôt les seuls livres pour lesquels nous devenons enfants. Alors là, je vais ouvrir. Ah, c'est du pop-up. Hop là, regardez, je me mets de loin. Et ça donne ça. Les enfants, non, 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 non. La maman n'est pas d'accord avec ça. Dieu, attends, je finis mon cœur. Donc hop, c'est super mignon. Vous voyez, il y a plein de... Vous avez compris? C'est joli, c'est... Hop là. Je sais que je suis ressortie de là-bas, ils m'ont dit combien? Je sais même plus combien j'ai payé en caisse. Dans les 60 quelque chose, parce que j'ai eu un bon de réduction. 72€ et t'as eu un bon de réduction 72€. C'est ça, j'en avais pour 70 et quelques, je crois, ouais, c'est ça. Et au final, j'avais un bon de réduction de 10, donc je suis partie avec 62 balles ou un truc comme ça. Et là, j'ai pris ça, 10,95, plus bon chant, oh là là, de Noël. Donc, petit papa Noël, vive le vent d'hiver, je kiffe. Merry Christmas, mon beau sapin et douce nuit. En fait, on appuie tout simplement sur le bouton et ça nous chante la chanson. Je l'ai pris pour mon bébé. Je trouve ça trop mimi. Et la dernière chose, j'ai bien dit la dernière, Nature et Découverte aussi. J'avais, je viens de voir que Nature et Découverte, j'avais aussi le concentré, je l'ai payé 8,95€, la senteur, le parfum Nature et Découverte. Le masque, c'est ce que je dis, 60 balles. Par contre, le diffuseur, ouais, 30 balles, c'est ça. Donc j'en ai eu pour 98 balles. Mais comme j'avais un bon aussi, pareil, avec ma fidélité, grâce à Dieu, j'ai un bon de 10€. Donc du coup, j'ai payé 88€ et quelques.
J'ai pris ça parce que franchement, on les aime beaucoup. C'est Swan et Néo les youtubeurs. Et c'est 11,95€ et c'est le tome 2. Vous savez, c'est journal d'un barré de deux youtubeurs by Néo plus Swan. Le numéro 2. C'est sympa, hein. Franchement, j'aime bien me regarder à l'intérieur et tout. Ils assurent, franchement, ils assurent. Moi, je sais qu'ils me font du bien. Ouais, quand je les regarde, ils me font beaucoup de bien. Comme certaines personnes d'entre vous. Et merci d'ailleurs à tous. Hein. Ceux qui me regardaient, quoi, qui êtes abonnés à ma chaîne. Moi, franchement, je vous remercie vraiment. Partage de bons moments et ça me fait super plaisir. Et ouais, c'est de savoir, justement, quand je lis aussi deux fois vos commentaires, vous me dites que ça vous fait du bien, en fait, de regarder mes vidéos. Ben moi, ça me fait super plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. Et Inch'Allah, ça continuera ainsi. Il faut juste que je récupère un peu de force. Et on va repartir de plus belle, Inch'Allah. Les amis, j'en ai fini. Donc, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao!